Amstram gram, piqué piqué collé gram, bourré bourré ratatam, Amstram gram. Chantez, Jenny Hero. Attendez, ne partez pas! On parle ici de l'Ultimate Edition, celle qui contient absolument tous les DLC. Autrement dit, l'Ultimate Edition, comme on l'appelle. Alors, je suis certain que bon nombre d'entre vous connaissez déjà le jeu, puisqu'il est sorti sur pas mal de supports il y a déjà un moment, mais aujourd'hui, il est ressorti sur Nintendo Switch pour notre plus grand plaisir. Et bien entendu, mis à part les DLC que nous avons dans l'Ultimate Edition, je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre. Un petit CD avec toutes les musiques audio de Shantae. Alors là, s'il vous plaît, je le prends délicatement. Nous avons un artbook, regardez, attendez, je vous le montre à l'envers là. Voilà, regardez ça, on a un artbook à l'intérieur. Il est juste magnifique, donc c'est super cool. J'ai reçu l'édition collector, je suis vraiment content. Et bien entendu, on a tous les DLC, on a tous les nouveaux costumes. Donc là, je peux vous dire qu'on est paré, un truc de fou. Écoutez la petite musique de reggae derrière. Elle est bien, franchement, moi je trouve que ça déchire. Alors pour ceux qui connaissent déjà Shantae, bien entendu, je ne vais rien vous apprendre si vous connaissez déjà le jeu qui est sorti sur les autres supports. En revanche, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, eh bien je dirais qu'on est un petit peu dans un univers plus ou moins Disney, ouais. C'est un univers très cosy, très mignon. Ça ressemble un petit peu à Aladdin, je trouve. Alors aussi, encore une fois, je n'ai pas pu m'empêcher d'avancer dans le jeu. J'y jouais un petit peu tous les soirs, donc ça c'est cool. Oh, c'est horrible! Au secours, à l'aide! Toutes les jeunes filles du village ont disparu! Arrête tes conneries! Sérieux? On va aller voir ça. Allez, vas-y, fais péter. Ok, on a le plan des mermaids folles. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment qu'on se déplace. Et Close Risky, voilà, c'est ici. On va prendre notre petit phénix. Enfin, notre petit, vous voyez qu'il est quand même bien badass. Alors, où est-ce qu'on va aller? Place de sculpte, ça c'est fait. Rue principale, ça c'est fait. On va aller à Mermaid Falls. Mermaid Falls, comment j'ai galéré. Ok, c'est y part. Donc, les gens, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du jeu. Ou plutôt, l'histoire qui m'est arrivée avec ce jeu. C'est une longue histoire, je vous jure. Normalement, j'aurais dû vous sortir cette vidéo il y a déjà un moment. France. Merde. Oh là là, oh là là, oh là là, je me fais choper par les sirènes là. Vas-y, reviens. Tiens. Prends ça dans la gueule. En fait, si vous voulez, j'aurais dû sortir la vidéo il y a déjà un moment. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a merdé avec la poste. J'avais demandé à un jeu au développeur s'il pouvait m'envoyer un petit Shantae Ultimate Collection, bien sûr. Donc ça, ça fait plaisir. Et il m'a dit pas de soucis. Donc une semaine passe. Ok, d'accord. Deux semaines. Bon, je me dis peut-être que le jeu a fait un détour par Pékin, on sait jamais. Trois semaines. J'ai dit ok, je vais peut-être quand même y envoyer un petit message. J'y envoie un message, il me dit qu'il a bien envoyé le jeu. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, je l'ai pas reçu moi. Donc en fait, si vous voulez, le jeu s'était égaré entre temps. Donc où est-ce qu'il est? Ça, à l'heure actuelle, on n'en sait rien du tout. De toute façon, la terre est ronde, au bout d'un moment, il va forcément repasser dans le coin. Je me fais déchirer là depuis tout à l'heure, non? Non, ça va. Attendez, je vais prendre ma petite transformation singe. Voilà, parce que celle-là, vraiment, je la kiffe. En fait, la transformation singe, c'est juste pour sauter plus haut et s'accrocher sur les murs. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, les gens, la petite histoire qui m'est arrivée avec Shantae. Mais au final, tout va bien, qui finit bien, puisqu'ils ont été cool et ils m'en ont envoyé un deuxième. Oupla ! Toi, tu vas dégager. Maintenant, l'histoire du jeu. En fait, Ah ! Merde. En fait, Shantae, si vous voulez, c'est une fille de génie. C'est un demi-génie. Donc c'est pour ça qu'elle a quelques super pouvoirs, notamment le pouvoir de se transformer en petit singe. Donc ça, c'est cool. Par contre, j'ai vu un coffre en bas. Je sais pas comment aller le choper. Tiens, dégage. En tout cas, vraiment, au niveau du gameplay, il est super cool, quoi. C'est super dynamique et tout. Ça fait super plaisir d'aller sur un petit jeu comme ça. Alors, c'est un jeu tout public, mais il faut avoir quand même un certain skill pour y jouer. Donc après, bien sûr, les gens, je vais vous montrer les DLC. Vous allez voir que... Oh putain, j'ai la batterie de ma manette qui est faible. What? Ça, c'est pas le bon plan, ça. On se casse de là. Toi, tu dégages. Juste après, les gens, je vais vous montrer les DLC. Vous allez voir qu'on a plusieurs costumes différents. Donc, notamment, dans cette Ultimate Edition, nous avons le pouvoir de faire l'aventure avec un costume de ninja. Et chaque costume a son gameplay qui est propre, en fait. Donc ça, c'est super cool. On a le ninja, on a Shantae en mode beach volley. On a Shantae en mode Megaman un petit peu, si vous connaissez. Donc, wouh! Putain, je me fais déchirer, attendez, attendez. Voilà, viens ici. Saloperie, va! C'est pas vrai, ça? En tout cas, vraiment, ça me fait toujours plaisir de découvrir avec vous un nouveau jeu de Switch à chaque fois. Je sais que vous kiffez bien quand on sort la Switch et tout. Ça tombe bien parce que moi aussi... Par contre, je vais me faire déchirer au bout d'un moment. Ça va, je récupère un petit cœur et tout, c'est nickel. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même un certain skill, on va dire, qui est là. Alors, j'ai pas des grandes heures de jeu, mais on va dire que j'ai quand même pas mal joué. Lorsque tu chantes, ma Shantae, chante, oui, chante dans les prés. Et d'ailleurs, un des jeux Switch que j'attends beaucoup pour cette fin d'année, alors,
Je suis pas spécialement un grand fan de la licence. Je l'étais il y a longtemps, vraiment. J'ai suivi la toute première saison de ce dessin animé. Eh bien, les gens, c'est Pokémon sur Nintendo Switch qui va sortir. Donc, en fait, ils vont refaire un remake de Pokémon Rouge, je crois. Ça va s'appeler Pokémon Let's Go Pikachu. Il va y en avoir deux, en fait. Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Donc vraiment ça peut être cool, mais où est-ce qu'il faut aller là? Donc vraiment c'est un des jeux que j'attends pour cette fin d'année. Avec d'autres bien sûr, il y a Mario Tennis qui va arriver, il y a Captain Toad aussi qui va sortir sur Switch. Ça tombe super bien parce que je l'ai jamais fait sur la Wii U. Donc vraiment ça pourrait être sympa, je pense qu'on va tester ça tous ensemble. De toute façon à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu Switch qui sort et qui m'intéresse, eh bien en général je vous le propose sur la chaîne. C'est vrai que je fais pas les let's play des jeux. Mais je fais les let's play dans mon coin, le soir, sur le canapé, tranquille. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu les nouveaux costumes, les DLC que propose cette Ultimate Edition. Et ben, ça tombe bien, je vais vous montrer un gameplay avec Shantae en mode ninja, et en plus, on va tenter de se battre le boss. C'est parti! Allez, vas-y, fais péter. Je sais comment faut l'avoir, mais ce qu'il y a, c'est que... Ce qu'il y a, c'est qu'il est super chaud, l'enfoiré. Vous voyez, il m'a déjà enlevé deux cœurs. Voilà, prends ça. Et là, crac, 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 crac. Alors bien sûr, en mode ninja, on peut s'accrocher au mur. On a des shurikens aussi, comme vous voyez. On va crever. On est mort. Prends ça dans la gueule. Ah oui, on peut se téléporter aussi en mode ninja. Bon, écoutez, ce boss m'a littéralement saoulé. Je pense que je tenterai de me le faire quand je serai au calme. Bien entendu, on va tester le mode beach volé. Celui-là, je l'ai jamais testé, par contre. Ah bah voilà, regardez ça, Shantae en mode beach volé, là. Ça tue, franchement. Oh, excellent, on peut lancer des petits ballons et tout. Tiens, prends ça dans la gueule, prenez ça les gars. Je sais pas si tout comme le ninja, le beach volley il s'accroche au mur. Non, elle s'accroche pas au mur. Cette fois-ci, j'ai été obligé de prendre une nouvelle transformation encore. Ils m'ont saoulé, je vous jure. C'est quoi ça? Ah d'accord. Ok. Tiens, prends ça dans la gueule. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai tellement de skills des fois. C'est un truc de fou. Vous avez obtenu Space Hooligan. Arrête tes conneries, excellent. L'impression que j'y joue à Shantae toute ma vie, mon vieux. Je vous jure. Hop, crac. Ah! Il y a des fois, je me dis, je manque littéralement de skill quand même. Bon, les gens, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Shantae Ultimate Edition. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le jeu, eh ben, rendez-vous dans la description. Il y a un petit lien, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et bye bye! Lorsque tu chantes, Shantae, Shantae, bien dans les prés.